Alors, merci d'être là. C'est toujours bon de se réunir ensemble et puis d'ouvrir la parole de Dieu et puis de s'encourager et s'édifier. Ce matin, c'est un petit peu spécial. J'arrive d'une conférence à Trois-Rivières où, entre les frères et les sœurs des assemblées des frères chrétiens du Québec, on a eu des bons enseignements, des bons messages, des bons témoignages, vraiment encourageants. Malheureusement, j'ai dû quitter parce que jeudi soir, j'ai commencé une petite grippe, puis dans la journée de vendredi, ça a empiré. Mais je rends gloire à Dieu parce que ce matin, j'ai la grâce d'avoir quand même une voix qui peut porter. Là. Alors, vous voyez à l'écran que ce matin, je fais un autre message sur le bonheur chrétien, et c'est sur la prière puissance du bonheur chrétien. C'est le dernier volet de cette série. Et puis, c'est peut-être un volet que j'aurais dû faire auparavant, parce que la prière dans la vie chrétienne, c'est sûrement avec ça qu'on devrait commencer, et commencer régulièrement. Ce matin, mon introduction, elle est spéciale, puis je pense que ça va faire plaisir à quelqu'un ici dans la salle. Il va se reconnaître, là. Et je vais vous poser une question, à savoir, qu'est-ce que cette chose? Est-ce que quelqu'un reconnaît cette chose? Pas un satellite. Pas tout à fait. Ça a rapport à l'espace, mais ce n'est pas un satellite. C'est pas Hubble. C'est le suivant, celui qui a suivi Hubble. James Webb. C'est le télescope spatial James Webb. Puis ici, c'est difficile à voir exactement que c'est un télescope, mais c'est parce qu'il est enveloppé. C'est le télescope spatial James Webb, TSJW, pour les intimes, entièrement assemblé et en position repliée en salle blanche à Kourou. Et Kourou, c'est en Guyane française. C'est de là qu'il a été lancé avec une fusée Ariane. Et on voit dans le bas, vous voyez dans le bas à droite, la grandeur de cette chose-là à partir de l'humain qui est là dans le bas, le technicien qui est là. Alors, c'est assez impressionnant, d'autant plus que ça a été déployé encore plus grand à plus de 1 million de kilomètres de la Lune. Et puis, il y a des tests et des tests qui ont été faits de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur quand ça serait fait à cette distance-là, sinon c'était un gaspillage total de temps et d'argent. D'autres données, ici, vous le voyez déployées dans l'espace. Et puis derrière, on a mis une image qu'il a transmise à la Terre. Et c'est assez impressionnant. Je vais vous en montrer d'autres images. Mais avant, quelques données. C'est, comme je disais, le télescope spatial James Webb. Le projet a débuté en 1989. Et il a été lancé le 25 décembre 2021. Alors, imaginez, c'est 32, 33 ans de travail, là. Alors, la NASA a participé à cela. L'Agence spatiale européenne a participé, et les Canadiens aussi, l'Agence spatiale canadienne a participé. Ce télescope travaille dans le domaine de l'astronomie infrarouge. Il a 25 mètres carrés. On parle de l'antenne parabolique là, qui est constituée de plaques d'or qui reçoit les signaux lumineux pour les transmettre à l'antenne qui est devant pour la transformer en un signal informatique. Sa masse est de 6200 kg au lancement. C'est assez impressionnant. Puis la première image de qualité qui a été envoyée par ce télescope, c'était en juillet 2022. Alors, c'est un projet immense. Et puis, je vous fais la grâce ce matin de quelques images qui m'ont vraiment impressionné quand j'ai commencé à regarder ces choses-là. J'ai été attiré par un documentaire sur Nova à la télévision. Et puis, quand j'ai vu le projet, j'ai été tout de suite intéressé. J'ai commencé à regarder ça. Et puis, voici quelques images. Je ne les commenterai pas parce que... Voilà. Parce que... Je ne suis pas très connaissant dans toutes ces choses-là qui sont dans l'espace, mais je peux vous dire que dans ça, il y a des étoiles,
il y a des constellations, il y a des planètes, il y a des nébuleuses, etc., etc., etc. Alors, regardez la beauté des images. Et pourquoi je fais une introduction dans ce sens-là ce matin, ça pouvait vous sembler un peu nébuleux avant d'arriver ici, mais c'est parce que notre Dieu, il est grand et il a créé tout ça avec une parole, une seule parole. Imaginez, les hommes ont développé un télescope pour aller voir plus en détail ces choses-là, et ça a pris 33 ans. C'est très impressionnant. Et une dernière. Alors, j'en arrive à la question, pourquoi prier? Mais nous prions, pourquoi? Parce que notre Créateur, il veut entrer en communication avec nous. Notre Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes ces choses, il veut entrer en communication avec nous. Et la façon qu'il nous demande de le faire pour exprimer ce qui est dans notre cœur, dans nos pensées, c'est par la prière. Lui, déjà, il communique avec nous et il communique comment? Par sa merveilleuse parole. Alors oui, le Créateur veut un entretien avec nous. Et deux versets principaux ce matin qui vont être les thèmes de mon enseignement. C'est dans Jean 14, 13, il est écrit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Alors, la prière permet au Père de se glorifier. Quand nous demandons quelque chose au Père dans la prière et que nous le voyons s'accomplir, notre louange est d'autant plus grande. Vous avez sûrement dans vos pensées des événements du passé où vous avez demandé quelque chose à Dieu et il a répondu. Vous l'avez vu répondre et de manière tangible. Moi, je me rappelle ma conversion, comment j'ai fait une prière, puis je demandais à Dieu de me prouver qu'il existe, et puis il a répondu de manière tangible. Alors, Dieu veut se glorifier, et il nous demande, nous, de le prier. Alors, c'est le but premier de la prière, et en ce qui nous concerne, dans le verset 24 du chapitre 16, on dit ceci, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Alors, pour Dieu, c'est question de se glorifier dans les bontés qu'il déverse sur les humains suite à la prière. Et pour nous, c'est afin que notre joie de le voir agir et de le voir répondre, cette joie-là soit parfaite. Alors, continuons avec l'idée de la poursuite de la gloire de Dieu. Je réaffiche le verset et le suivant. « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, on voit ici là, que l'homme, il est vraiment démuni devant toutes les circonstances qu'il rencontre sur la terre. Et puis, nous avons besoin de lui, nous avons besoin de lui demander. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur dans nos vies, nos pensées sont souvent des pensées du monde avant qu'on le connaisse, avant qu'on en arrive à la connaissance de sa parole. Lui, il vient transformer nos pensées en plus de nous aider de toutes sortes de façons. Dans Jean 15, 8, il est écrit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Alors, c'est un verset qui renvoie aux fruits du Saint-Esprit dans le livre de Galates, chapitre 5. Et on réalise, oui, que le Seigneur nous transforme à un point tel qu'on porte le fruit de l'Esprit, qui se compose, entre autres, d'amour, de joie, de maîtrise de soi, etc. Donc, dans Romains 7, 18, il est écrit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Alors, c'est Paul qui écrit que dans sa chair, il a beaucoup de difficultés à obéir à Dieu et à mettre en pratique les commandements de Dieu.
Alors, il admet qu'il a besoin d'une aide extérieure. Et cette aide extérieure, bien sûr, c'est le Seigneur qui nous la donne. La prière, elle nous rend humbles. Elle nous rend humbles, pourquoi? Parce que nous y admettons que nous sommes dans une pauvreté qui est spirituelle, une pauvreté qui peut être émotionnelle, une pauvreté qui peut être même matérielle et financière. Alors, on se retrouve devant Dieu et ce n'est pas pour rien que la position principale pour ceux qui sont capables de l'apprendre encore, moi je sais qu'avec mes genoux qui me font souffrir un peu, c'est difficile, mais c'est de s'agenouiller, c'est de se prostrer devant le Seigneur, le reconnaissant grand et nous reconnaissant en même temps tout petit devant ce que nous avons à affronter. La prière nous rend humbles et nous admettons en priant notre pauvreté. Et de l'autre côté, cette prière-là mais nous permet d'exalter le Père. Puis c'est là qu'on le déclare riche. D'ailleurs, dans nos prières, il y a une portion qui s'appelle la louange, une prière de louange, où on le reconnaît dans toute sa grandeur. On le reconnaît dans sa grandeur, dans qui il est, et dans sa grandeur, dans ce qu'il fait. Dans le chapitre 4 de Jean, nous avons un passage intéressant où Jésus rencontre la Samaritaine au puits, et puis après avoir échangé sur la question de soif, étant donné que c'était possiblement aux petites heures de l'après-midi, aux premières heures de l'après-midi, il faisait très chaud. La Samaritaine était là parce qu'elle était dans une condition de pécheresse, et puis elle ne voulait pas être dérangée par des personnes qui la critiqueraient. Alors elle va là et Jésus, par hasard, certains diraient, mais avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard, c'était un rendez-vous divin qu'il avait planifié. Alors il se présente et puis après cette interaction sur puiser de l'eau, il dit ceci à la Samaritaine. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alors, il y a une relation directe dans la prière entre ne pas connaître Jésus et ne rien lui demander. Quand on reconnaît sa grandeur, en regardant par exemple les diapositives qu'on a vues tantôt sur l'univers, mais on sait qu'il est grand, on sait qu'il est puissant. Et puis, on a une conviction dans notre être intérieur qu'on peut aller vers lui et qu'on peut lui recommander nos vies dans toutes les dimensions de notre être. Bien sûr, il nous arrive de faillir dans la prière. Il nous arrive de manquer notre coup. Premièrement, par la fréquence de nos prières. Ensuite, l'intensité de nos prières, la constance de nos prières. Et faillir dans la prière, c'est faillir dans notre connaissance de la personne de notre Seigneur Jésus. Je sais très bien que moi, je n'étais pas un homme de prière avant de connaître le Seigneur, avant de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais en lisant la parole de Dieu, en le connaissant comme Sauveur et en le connaissant comme Seigneur, j'ai une conviction profonde que c'est mon avantage et c'est sa gloire que nous passions du temps ensemble. Je sais que je ne suis pas parfait dans ce domaine-là. Il m'arrive de me laisser distraire par les événements qui m'entourent, mais je sais dans mon être intérieur que c'est la chose à faire. C'est là que je dois commencer mes journées. Et puis, les moments de pause ou les moments qui me sont disponibles dans la journée, mais je dois retourner continuellement dans la prière. Prière, on en a des requêtes. Je sais que dans votre esprit, vous en avez aussi des requêtes. Les chrétiens qui prient savent que le Père est gracieux et généreux. Encore une fois, c'est la connaissance du Père, la connaissance de qui il est, de ses attributs merveilleux, de sa puissance. Et la Bible dit que tout ce qui est dans ce monde lui appartient. Quand on considère des témoignages, par exemple, de missionnaires, j'en ai un pour la fin de mon message, là, vous allez voir que Dieu pourvoit de belles façons et toujours de manière surprenante. Alors, les prières des saints glorifient Christ et honorent le Père. On parlait tantôt de raisonnable, de logique. Eh bien, c'est très logique quand on connaît ce que la parole dit sur la prière.
On peut se poser la question, est-ce que la prière est égocentrique? Dans ce sens que si on prie pour nos besoins personnels, est-ce que c'est égocentrique? Peut-être, ça dépend des besoins, ça dépend des conditions, ça dépend des circonstances. Dans la parole de Dieu, il est écrit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alors, quand on parle de la volonté du Seigneur, on peut se poser la question de quelle manière s'accomplit la volonté de Dieu dans le ciel. Nous savons très bien que les anges mauvais, les démons, ont été chassés du ciel. Alors, présentement, auprès de Dieu, il y a des anges qui sont entièrement soumis à lui, qui ne sont pas rebelles. Alors, on peut s'imaginer que les anges font la volonté de Dieu et ils la font avec joie. Alors, de la même façon, sur la terre, nous pouvons prier et demander à Dieu que nous ayons la joie de le servir, la joie de le voir se révéler dans les requêtes aux prières et dans les réponses qu'il nous donne. Alors oui, comme je disais, dans le ciel, sa volonté est parfaitement accomplie. Et nous pouvons prier que de la même façon, dans nos vies et dans la vie des gens qui nous entourent, ce soit la même chose. Est-il égocentrique de poursuivre cette joie-là dans la demande de voir sa volonté s'accomplir? C'est certain qu'il y a des choses qu'on peut demander, ça peut être pour notre joie personnelle, puis ça ne considère absolument pas la mission que le Seigneur nous donne ici sur la terre. Et là, on doit faire attention. On doit faire attention parce que le Seigneur est capable de nous donner des choses alors que nous sommes en mission pour lui. Et ce sont des choses qui vont nous apporter une grande joie. Alors, nous devons discerner, là, est-ce que c'est vraiment un désir qui est personnel, un désir qui est égoïste, ou si c'est un désir qui est légitime, parce que la parole de Dieu dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire, en autant que le désir de mon cœur ce soit selon sa volonté. » Ensuite, nous sommes encouragés à ne pas prier comme des idolâtres. Il y a un avertissement dans la parole qui est donné par Jacques dans son épître, et puis il critique certaines prières. Lisons le verset ensemble. « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. » Dieu nous a donné un esprit pour un but de nous équiper pour le ministère, nous équiper pour la mission. Et puis, utiliser cette relation-là que nous avons avec le Seigneur pour satisfaire nos passions, nos besoins personnels, c'est problématique dans la relation que nous avons avec le Seigneur. Et c'est pourquoi Jacques, il fait cet avertissement dans son épître. La mauvaise prière est celle qui cherche ailleurs qu'en Dieu la consolation, le réconfort, la paix et la joie. Ailleurs qu'en Dieu. Un groupe de prière, par exemple, peut demander des fonds pour construire quelque chose qui est absolument inutile pour le Seigneur. Puis dans bien des religions du monde, là, on dépense des fortunes pour construire des idoles, littéralement. Quand je regarde l'Asie, moi, avec les Bouddhas qui sont dans le paysage un peu partout, là, je me dis que le Seigneur ne doit pas être joyeux de voir ces choses-là. Et puis même dans la religion, une religion qui est violente, la religion de l'islam, mais on s'implique ou on recherche à faire des choses pour punir les infidèles, ceux qui ne croient pas en l'islam ou ceux qui n'adhèrent pas à l'islam. Alors, il y a un investissement de temps, d'argent, et puis on pense qu'on fait une faveur à Dieu, on va le voir un peu plus loin, là. On pense qu'on fait une faveur à Dieu, mais ce n'est absolument pas le cas. Alors, il faut faire vraiment attention dans nos prières, ce que nous demandons.
Je pense entre autres aussi dans notre circonstance ici, dans notre société. On pourrait prier, par exemple, un jeune pourrait prier pour un système informatique là, haut de gamme. Puis son désir, c'est de jouer à des jeux vidéo sur Internet. Ça n'a aucun sens de prier pour ça. Un autre point intéressant, c'est l'appréciation de la création ou appréciation des choses sans tomber dans l'idolâtrie. Dans le psaume 73, 25, il est écrit « Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors, comment une prière peut-elle glorifier Dieu si cette prière est pour une chose? Est-ce que c'est glorifier Dieu? Dieu reçoit la gloire parce qu'il est le donneur suprême. Que ce soit une chose, que ce soit des circonstances qu'il prépare, que ce soit une relation qu'il établit, mais Dieu reçoit la gloire pour ces choses-là. Mais il reste qu'il peut y avoir un mauvais usage des choses. Il y a une prière d'Augustin qui dit ceci, et c'est une prière sur le thème des efforts d'aimer Dieu de tout son cœur. Augustin voulait aimer Dieu de tout son cœur, et il dit ceci. « Il n'aime pas assez celui qui t'aime en même temps qu'il aime autre chose. » Un amour qui est divisé, un amour qui est partagé. « Celui qui n'est pas qu'à toi seul, c'est celui-là qui prie de manière divisée. » où son amour est divisé. Si les relations de Dieu sont vues et utilisées comme don de Dieu et miroir de sa création. Alors, quand on regarde la création et les choses qui sont là, qui nous sont disponibles, et qu'on va plus loin que la chose comme telle, on peut voir Dieu derrière cette chose-là. Alors, les choses ne sont pas un piège d'idolâtrie à ce moment-là, si notre joie en elle est aussi une joie en le Créateur. Une joie, c'est ça, en notre Seigneur. C.S. Lewis, dans le document « Letter to Malcolm », il a écrit ceci. « Je ne peux entendre le chant d'un oiseau comme un simple bruit. Le message qu'il est un oiseau est attaché au son qu'il émet. » Et il parle ici de la capacité de communiquer même chez les oiseaux et tous les animaux, comment c'est merveilleux. Puis quand on s'arrête à ça, on peut aller plus loin que juste la chose qui est là devant nos yeux. Et c'est la même chose avec ce qu'on demande dans nos prières. Si notre expérience de cette création-là devient une expérience du jardin céleste ou du doigt de Dieu, ce moment devient un moment d'adoration. Et ce n'est pas de l'idolâtrie. Ça me faisait penser à un verset qui est là dans les livres de la sagesse. Je crois que c'est dans Proverbes, où on dit « On n'emmuselle pas le bœuf quand il foule le grain. » Alors, profitez des choses que Dieu place dans nos vies, que ce soit à la suite d'une prière, que ce soit la réponse à une prière. Mais profiter de cette chose-là, si on reconnaît que c'est du Seigneur, puis on lui rend gloire, mais c'est comme cet animal-là qui foule le grain pour être utile au propriétaire, et puis en même temps, peut profiter de la nourriture qui est là devant lui, là, ce grain-là. Il y a 2 ans, Chantal et moi, on se promenait dans notre quartier à Terrebonne, et puis Chantal a trouvé un oisillon, un petit oisillon qui avait un peu de duvet, presque pas de plumes, et puis qui était là dans un parterre complètement à la merci là, d'un chat peut-être ou d'un chien, et qui n'avait pas grand-chance de survie. Et puis... Chantal, elle a eu pitié de cette bête-là, elle a pitié de toutes les bêtes qui nous entourent. Si je ne la retenais pas, là, notre maison serait un vrai zoo.
Et puis, elle m'a regardé, puis elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, moi, de manière humoristique, j'ai dit, bon, on peut l'amener à la maison, s'en occuper, puis l'élever comme un de nos enfants. Elle a dit, oui, merveilleux! Alors, on s'est retrouvés avec un petit mâle dans la maison. Et puis là, on a fait des recherches sur Internet. On l'a installé dans un bol avec une petite débarbouillette. Et puis, on a fait des recherches sur Internet à savoir quoi lui donner à manger, parce qu'on savait que plus tard, les mâles mangent beaucoup, aiment beaucoup les vers de terre. Alors, on a commencé avec, pour les protéines, on a commencé avec des peaux de bébé au poulet. On l'a nourri de ça, puis il en mangeait, là, avec appétit. On allait aussi chercher des framboises dans notre jardin pour lui donner des glucides, là. Alors, on lui donnait ces deux choses-là. Éventuellement, on est passé aux vers de terre. Puis, on coupait les vers en morceaux pour réaliser par la suite que ces petites bêtes-là, ils mangent les vers complets. C'est vraiment incroyable. On allait chez les magasins de chasse et pêche, puis on achetait des contenants de vers, on le nourrissait aux vers. Mais ce que j'ai vu dans ça, la grandeur de Dieu, c'est dans la digestion d'un animal comme celui-là. Parce que j'avais déjà observé que quand on regarde des oiseaux voler vers le nid, des parents voler vers le nid, on les voit souvent apporter de la nourriture, puis ils repartent avec autre chose. Ouais, puis c'est vraiment curieux, mais c'est extraordinaire, parce qu'on a réalisé que ce petit oiseau-là, quand on lui donnait à manger, il levait le postérieur, puis il faisait sa business, là. Et la façon que c'est fait, c'est comme enveloppé d'une gélatine, protégé, pour pouvoir être pris avec une pincette puis s'en débarrasser au complet, là. Ce qui ne fait aucun dégât, là. Alors, moi, j'ai regardé ça la première fois, puis je me suis dit, n'est-ce pas merveilleux à quel point Dieu est grand? Alors, dans les choses que nous avons de Dieu, que nous recevons de Dieu, il faut toujours regarder derrière celui qui apporte cette bénédiction-là. Dans la création, c'est exactement la même chose. C'est un processus qui est merveilleux. Oui? Non, non, non. Non, il n'est pas mort. Un dimanche matin, merci de poser la question. OK. Non, non, on l'a vu grandir. J'ai même des photos et des vidéos, si vous voulez les voir, là. Oui. Et puis, un dimanche matin, j'ai sorti, même on est allé chercher une cage parce qu'il commençait à volter un petit peu dans la maison. On l'a placé dans une cage, et puis de temps à autre, on le sortait pour qu'il s'exerce. Puis un dimanche matin, alors que j'étais dehors, j'avais la porte de la cage ouverte et je le nourrissais. Il est sorti et il s'est envolé. Il est allé dans un arbre où j'ai pu le récupérer puis le ramener. Et puis quelques minutes plus tard, il est reparti, mais là, plus loin où je ne pouvais pas le récupérer. J'ai eu un témoignage d'un voisin qui disait que oui, un mâle était venu sur son balcon, puis était très familier avec lui. C'était peut-être lui. Alors, c'était une belle expérience pour nous et vraiment de découvrir la gloire du Seigneur dans cette chose-là. Chantal était contente. Alors, vous voyez ceci à l'écran, c'est qu'il n'y a rien que je ne veux plus que toi sur cette terre. Alors, il faut toujours rechercher dans la bénédiction le Seigneur qui est derrière. Et il n'y a rien que je veuille plus que ce qui te révèle à moi. Alors, comme cet oiseau-là, par la création et de la façon qu'il se comportait, là, mais ça me révélait la gloire de Dieu en arrière de ça. Et ce qui est fantastique avec ces oiseaux-là, c'est qu'après une période de 5 à 6 semaines, ils sont prêts à partir, ils sont prêts à sortir du nid, là. C'est vraiment rapide, là. Les humains, nous, ça prend du temps, ça peut prendre 24, 30, puis même 40 ans, puis ils ne sont pas sortis du nid encore, là. Oui, et souvent, ils reviennent dans le nid. Ouais. Alors, glorifions Dieu et laissons-nous servir par lui. Alors, des fois, on est dérangé par le fait que Dieu nous sert. C'est sûr qu'on a un orgueil en nous, puis comme des jeunes enfants qui grandissent, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire.
mais Dieu demande qu'on aille vers lui et qu'on lui demande afin qu'il nous dirige, nous guide et même pourvoie nos besoins. Dans Actes 17, 24, il est écrit « Le Dieu qui fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » Alors, il n'est point servi par des mains humaines. C'est sûr qu'il nous fait le privilège de nous faire entrer dans ses œuvres pour que nous puissions en retirer une grande joie. Mais Dieu, est-ce qu'il aurait vraiment besoin de nous? S'il décidait de ne pas nous utiliser, il n'aurait pas besoin de nous. C'est vraiment une grâce qu'il nous fait de le servir. Et c'est dans cette attitude-là que nous devons accepter d'entrer dans ses grâces. « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. » Car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, des remerciements, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Alors, dans ce passage, nous voyons trois éléments. Prions pour le remercier. Respectons nos vœux, nos engagements, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers les humains, en autant que ce soit la volonté de Dieu. Et présentons-lui nos requêtes, nos besoins. Dieu veut entendre nos requêtes. Mais attention de vouloir devancer Dieu et de lui dérober sa gloire. Il peut arriver qu'on place une requête devant le Seigneur. Puis là, on manipule les choses et on arrange les choses pour que la réponse arrive plus rapidement. Là. Alors, on ne veut pas gâcher sa gloire, on ne veut pas gâcher ses projets. Le Seigneur est immuable, il sera toujours serviteur. Dans Luc 12, 35, il est écrit, 35 à 37, vraiment, « Que vos reins soient saints. » Et vos lampes allumées, c'est le contexte là, d'une prophétie sur la fin des temps. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Alors, ça nous rappelle définitivement là, ce repas là, où le Seigneur a fait exactement ça. Il s'est dévêti et puis il a lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur a été serviteur en venant comme un agneau et dans sa gloire à son retour, il le sera encore. De même, restons serviteurs les uns des autres, comme nous exhorte la parole. À l'exemple du Seigneur, restons serviteurs les uns des autres. Comment Dieu est-il différent des autres dieux? Dans 2 Thessaloniciens 1, 7, il est écrit ceci, « Et de vous donner à vous tous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Alors, on voit ici là, une image grandiose, une image de puissance et de jugement qui entoure le Seigneur. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors là, c'est l'autre aspect là, de la grâce et de l'amour du Seigneur qu'il répand sur nous. Et on voit ici dans Ésaïe 64, 3, des gens qui s'étonnent, ou une parole qui semble être une parole qui est étonnante concernant le fait qu'on regarde Dieu, comment il est et comment il agit, et puis c'est étonnant, on dit ceci, « Jamais on n'a appris ni entendu dire. » Et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui.
Alors, c'est une parole qui déclare Dieu différent. Différent des autres dieux, différent de beaucoup d'hommes, et de la même manière, nous, nous devons donner un témoignage au monde qui est différent du monde qui est égoïste, du monde qui est orgueilleux. Nous sommes appelés à être différents dans ce sens-là et apporter un témoignage qui est un témoignage de lumière dans un monde de ténèbres. Dieu est unique car on n'a pas appris, vu ou entendu dire qu'un Dieu soit aussi bon envers ceux qui se confient en lui. Il se plaît, notre Seigneur se plaît à servir ses enfants et il nous invite à demander avec foi. Dieu travaille pour et avec ceux qui regardent à Dieu et s'attendent à le voir répondre. Alors, le mot important dans cette déclaration, c'est s'attendre. Dieu nous demande souvent de faire une pause pour simplement considérer notre propre insuffisance. Puis alors que je lisais ces choses, je me suis rappelé une autre anecdote que j'ai peut-être partagée ici, là, et ça va vous faire rire dans ce temps-là. Moi, je ne riais vraiment pas. Nous avions un stationnement qui était un peu étroit à Westmount quand je travaillais là en informatique. Et puis, quand on sortait du bureau pour aller installer des équipements informatiques chez des clients, c'était un petit peu difficile de passer entre les véhicules, de mettre ça dans le véhicule pour apporter ça à la maison. J'avais dans ce temps-là une camionnette voyageur. Les camionnettes voyageurs, je les aimais pour l'ergonomie, mais au niveau de la mécanique et de tout le reste, là, c'était de sérieux problèmes. Puis elle avait de l'âge. La camionnette voyageur avait une porte coulissante sur le côté. Puis le matériel informatique, moi, je le mettais à l'intérieur sur le siège derrière le siège du conducteur. Et puis je descends là, j'ai ma mallette dans les mains et j'ai un écran informatique dans les bras comme ça. Je descends ça, je passe entre les deux véhicules, je débarre mon véhicule et puis je prends la porte coulissante comme ça avec l'écran dans les mains pour l'ouvrir, puis je donne un bon coup parce qu'elle manquait de graisse un peu. La porte est allée frapper le butoir qui était rouillé, elle a passé tout droit, puis elle est tombée par terre. Alors, imaginez mon insuffisance à ce moment-là. Je regardais ça, puis je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Il arrive des situations dans nos vies où on se demande, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est une réalisation dans la prière de notre propre insuffisance. Et on doit regarder à Dieu, souvent patienter et s'attendre de lui. Dans le psaume 33, 20, il est suivant, « Notre âme espère en l'Éternel, et il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous. » Comme nous espérons en toi. Dans le verset suivant, on voit le peuple de Dieu qui, malgré les démonstrations de la grâce et de la puissance de Dieu, se sont détournés et puis ils ont oublié ses œuvres. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Non seulement on oublie le passé, mais on oublie le futur parce qu'ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Alors, il y a plusieurs personnes du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament qui ont essayé de devancer Dieu, à commencer par Abraham et son épouse Sarah qui voulaient un enfant et qui n'ont pas attendu le temps de Dieu, ce qui a causé bien des troubles. Et ne pas s'attendre à Dieu, c'est renoncer à voir la gloire d'un Créateur qui désire bénir ses enfants. C'est renoncer à voir la gloire d'un Créateur qui désire bénir ses enfants. On revient aux deux versets du départ. Le Créateur veut un entretien avec toi, et puis il le veut plus fréquemment. Et je vous avais parlé d'une anecdote où on voit Dieu pourvoir en grande abondance. Vous vous rappelez dans la présentation de la semaine passée, alors que je parlais de mission, le livre de l'association JARS, qui est le bras droit technique de soutien de l'association Wycliffe pour la traduction de la Bible. Ils sont basés en Caroline du Nord.
Et puis, il y a plusieurs membres de cette organisation-là qui recherchent toujours des avancements technologiques et chercher du matériel qui pourrait aider les missionnaires. Et le contexte, c'est que les missionnaires qui étaient dans des jungles où c'est très humide, ils avaient des sérieux problèmes à transporter du matériel dans des conteneurs attachés à l'hélicoptère parce que c'était les conteneurs qu'ils avaient étaient en bois et l'humidité les faisait pourrir. Alors, ils se sont mis à chercher une solution de rechange et puis il y a un homme nommé Jim Batista qui se promenait quelque part en Pennsylvanie. Il a remarqué que dans un surplus militaire, il y avait des grands conteneurs en métal, probablement en aluminium. Et puis, il est allé voir l'officier qui s'occupait de ce dépôt-là, puis il a demandé s'il pouvait les avoir. Et puis, l'officier, après avoir fait certaines vérifications, il a dit « Oui, vous pouvez les avoir gratuitement ». Alors, Jim Batista de Jars, il était heureux, content, il communique avec son monde, puis il prépare l'expédition et tout le reste. Il retourne à Jars. Quand l'expédition arrive, il regarde les conteneurs, puis les conteneurs semblent être plus lourds qu'un conteneur vide. Il se demande qu'est-ce qu'il y a dans ça. On ouvre les conteneurs, et chacun des conteneurs avait à l'intérieur un moteur d'hélicoptère flambant neuf. Puis eux utilisaient des hélicoptères partout. Alors imaginez, ils ont sûrement téléphoné à celui qui l'avait expédié, puis l'homme qui était là, il dit « Non, non, ce n'est pas une erreur, c'est comme ça qu'on a voulu le faire. » Alors, gloire à Dieu, c'est juste un exemple de la grandeur de Dieu, comment il peut nous surprendre. On peut demander une petite chose et il peut nous surprendre avec une grande chose, comme pour nous encourager là, à voir plus loin, à avoir une vision plus grande. Et de la même façon, dans le ministère chrétien, que ce soit ici dans la chapelle, que ce soit dans l'Église ici, dans l'Église universelle, Dieu demande qu'on ait une plus grande vision. Pour quelqu'un comme moi, c'est un peu difficile parce que je ne suis pas visionnaire, je dois vraiment me faire violence. Et puis lire ces livres, lire ces événements, ça m'encourage énormément. Mais je vis avec une personne qui est visionnaire. Et puis, elle en a des visions. Alors, on doit s'équilibrer quelque part, là. Je sais que ça fait sourire des gens ici, mais c'est comme ça. Alors, dans l'Église, c'est la même chose. Oui, nous devons avoir des visions et regarder à plus loin, voir ce que le Seigneur pourrait faire, et puis lui faire confiance. Prions avec foi. Prions plus fréquemment, prions selon sa volonté. Terminons justement en prière. Oui, Éternel, c'est vraiment une gloire de s'arrêter, de contempler ta parole, de voir que toi, tu étais un homme qui avait la vision de sauver le monde. Tu es allé à la croix pour mourir pour nous. On t'en remercie et on glorifie ton nom pour ça. Nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, pour cette Église, de nous donner d'avoir un zèle pour la prière, un zèle pour la prière personnelle, un zèle pour la prière communautaire, afin que ta puissance se révèle dans nos familles, dans nos vies, dans notre communauté chrétienne et partout en ce pays. Notre pays a besoin de toi, Seigneur. Notre pays a besoin d'un réveil spirituel. Nous avons l'opportunité déjà de témoigner à des gens qui visitent notre Église 4 fois par semaine. On te prie que tu transformes leur vie et qu'ils soient touchés dans leur être intérieur. On te remercie, Dieu Tout-Puissant, pour ces œuvres que tu prépares d'avance pour nous. Aide-nous à les reconnaître, afin que nous puissions y entrer, accepter la mission, et puis dans la prière, Seigneur, chercher ta face pour ce qui est des détails. Alors, merci de nous conduire, merci d'être le Seigneur que tu es, et merci du privilège que nous avons de te servir. Nous te demandons de nous aider et de nous encourager, et tout ça dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Bonne semaine à vous tous.